La police encore une fois, mesdames et messieurs, saute pote bourré sous barbecue dans fief li dans zone vareux. Et nous parlons plutôt de tout détail. Et bien dans la question gaz qui n'a pas gagné ou bien gagné gaz, mais gaz n'a pas qu'à distribuer dans pompiers dans le pays. Et l'État haïtien n'a même pas gagné. Il n'a pas fait un dossier ça parce que les bandits vraiment n'ont pas joué. Et surtout si la police a fait en face, et bien a gagné en pile victime et raison ça a fait. Eh bien, en pile, on a demandé qui ça, l'État même voulait faire à pays ça, Ariel Henry. Comme président pays, ou bien comme premier ministre pays d'Haïti, nous avons dit président tout, bon, c'est lui-même qui est là, pas le président. Eh bien, monsieur, on dirait que c'est lui-même qui a concombré avec un bandit, selon sa information, ou ta fait qu'on est. Eh bien, monsieur Paca, et donc, diriger pays ça, et nous allons aller tout le détail pour raison qui cause la police qui est obligée de frapper aujourd'hui à la, et bien pour faire gaz là, lui-même distribuer dans le pays. Et puis, donc, il y a un pasteur qui est ensemble avec madame qui est victime de la machine, et nous avons dit ça déjà, et nous allons aller tout le plus de détails toujours, et dans la question ça. Et puis, il y a un dossier l'homme sans joue à tout qui est sur 17 millions de dollars. Tout à fait, le FBI a été porté venir sur hélicoptère. Eh bien, c'était un manigance. Nous allons vous donner tout le détail avec le coup de qui va dire nous plus toujours. En tout cas, restez connectés sur la vidéo, guys. Abonnez, like. Donc, Vareux, dans le fief barbecue, dans le fief Genève, sous question, créons un couloir pour capable commencer à distribuer le gaz à partir de Vareux. Moi, tout, m'a dit, je souhaitais que ce n'est pas un goût, mais parce que le barbecue a demandé le départ de Ariel Henry. Et que l'autre groupe gang pas mandé départ Ariel Henry. Et que moun grand sud là, que on continue à mourir. M'sieur était que opération menée dans tout pays ya, pour déloger gang. Non, alors, faut le commencer son côté. Oui, faut le commencer son côté parce que moi-même, monsieur, moun gang a circulé, oui, ça vient commencer. Lou comme bouquet. Ça vient commencer là. Ça vient réactiver, oui, là, il y a pris, depuis que la machine a passé, il y a pris gaz. Pour y aller fonctionner. Le gaz, il y a gaz, oui, le gaz, il y a fait. Eh bien, écoutez, et pour date ça, il y a désactivé. Et qui ça que tu fait? Les gars de tout l'autre côté activé, a marché. Oui, ça vient réactiver. Alors, mon gars fait route la Tibonite. Et non, il faut faire très attention. Alors, c'est certaines heures, il faut faire très attention. On croit que le plus souvent, l'information que nous baille dans le matin des baillots, il y a vite rentré dans l'actualité, peut-être deux jours, mais trois jours après. Gampi l'information que je mets dans ma tête de bas, c'est que peut-être, ou toujours est, le plus souvent, c'est le lendemain où est d'autres médias parlent de vous. Mais pourquoi j'aime une information qui met dans ma tête de bas, sous pas ou elle dans trois jours, pas ou elle dans une semaine, ou elle dans deux semaines quand même. Et ça fait longtemps, il y a des gens qui sont gens très amers à ma tête de bas, mais c'est le plus le cas maintenant. Yeah. Parce que pas une information, pas une analyse que nous faisons dans ma tête de bas, okay, pour pas avoir une vérité. Ou bien vérité, elle tombe exactement même côté n'a parlé de lien. Ou bien vérité, ou elle, un jour, deux jours, mais trois jours, madame, monsieur. Vendredi après-midi, en terminant l'émission Matin Débat, panique dans le pays. Parce que Brown La Rose a annoncé à l'émission Matin Débat que le gang 400 Marozo aurait reçu des Américains, la rondelette somme de 17 millions de dollars américains pour la libération donc, des otages américains et canadiens. Et nous analysons la question. Et nous disons qu'après, comme ça finit, et que otages ont été libérés donc, à partir de ce week-end. Madame, monsieur, il y a pile panique parce que là, on n'a pas les deux gros informations. On a parlé de gros informations. Et qu'il y a même des journalistes étrangers qui ont lié information. Il y a des gens qui n'ont pas ça, qui t'apprêtent, y a pas regardé qui comportement ou bien qui sacre la réaction États-Unis d'Amérique face à cette information diffusée à l'émission Matin Débat parce que les Américains ont campé clair ou qu'eux-mêmes, ils n'ont pas barragé pour libérer otages. Il n'y a pas de monde qui va aller me dire, nous connaissons. Ah, Amérique, va se faire, je comme Amérique, va se faire. Est-ce que nous j'aime qu'on ait matin débat? Nous qu'on dit ça que pas ça. Non, nous pas j'aime dit ça que pas ça, madame, monsieur. C'est là, oui.
faut nous très prudent dans game qui là moi tout dit là dans émission matin débat madame monsieur game ça son game qui raide en pile et bâti je vois petit qui là et je vais répéter ce mitam de dit dans matin débat le gang 400 Marozo c'est pas un gang qu'on est joué avec parce que c'est le gang le plus puissant actuellement là donc dans le pays dans la Caraïbe bon bâti dans la Caraïbe là madame monsieur yeah. Et information de débat vendredi yo concernant que backup l'en mort sans joue ça moun ni gen derrière yo et ben c'est des professionnels parce que l'en mort sans joue pas rien l'aime dit pas rien face à ça monsieur gagne comme backup parce que c'est pas l'en mort sans joue pour ouais devant écran c'est ça monsieur gagne derrière comme backup là pour ouais madame monsieur dans négociation avec américain yo moi te dit déjà vendredi hein. Les gens négocient avec les Américains, tête pour tête, anglais pour anglais. Mm-hmm. Et pas question de gens qui viennent dire à Djibouti, ni pas comme si ils cherchent des gens qui parlent créole dans les Américains. Non. Parce que, quand ils sont là, qui n'ont pas de backup 400 Marozo, eh bien, ils vivent aux États-Unis, c'est des déportés. Oui. Ouais. Et qui travaille avec la République Dominicaine, qui travaille avec les Américains? Dossier 17 millions de dollars que Américains ont remettre. À monsieur 400 Marozo, c'est une information confirmée d'une source de 400 Marozo. On voit bien, madame, monsieur. Parce que là, c'est une information à faire. Mais là, par exemple, moun qui concerne, par exemple, je dis là, si on a un coup barbecue, il est le côté de les Aïe César. Les gars, il y a n'importe qui journaliste participe dans le pays. Les bails ont information. Pas rien de la donne parce que c'est Babé qui concerné lui-même. C'est le concerné. Le fonctionnement Genève. Voilà. Ouais. C'est le concerné lui-même, ok, du Genève qui relaie, qui bail ont information dans la presse. Cependant, information seule capable de manipulation. Bah, tête de cloche. Ah oui. Mais l'information, madame, monsieur, sûr. Les 17 millions de dollars que les Américains ont bail, monsieur 400 Marozo, sont informations qui sont vraies, qui confirment par les 400 Marozo. Maintenant, si c'est 400 Marozo qui bail information, eh bien, nous venons comprendre que je dis, il y a eu manipulation parce que, les âges les nouvelles données de cette histoire, c'est quoi? Les nouvelles données, c'est que. Les nouveaux détails, madame, monsieur. Ici, Matéréba, la dame. Et Tunis. Eliane Tunis, c'est-à-dire qu'il a qui tape vive États-Unis d'Amérique, qui a acheté caille. Ouais. Ok, qui a acheté caille, ici, quoi, des bouquets. Il a acheté caille, là. Information. Caille, Eliane de Tunis, non, c'est caille que le bâti à Maril. Ok. Il a acheté caille, là. Son caille que le construit. Caille, construit. Il construit caille, là. Mais on caille qui est évalué à 200 000 dollars américains. Plus que ça. Plus que ça. Parce que je me parlais avec deux voisins de. Madame, monsieur. Attendez pas ouais là. Au niveau de respect nous baille tête nous. On bouge ça parce que dans dossier pays d'Haïti nous pas qu'à jouer. On parle à deux voisins mon qui dans quartier madame Eliane Tunis. C'est parce que tu étais missionnaire. OK. Car yeah. Là c'est caille que Eliane Tunis construit à Maril. Et car là il va évaluer à plus que 200 000 dollars américains, il cap peut-être dans l'ordre de 400 000 à 500 000 dollars américains à mon gomme de balayer. Ok. Faut que je me dise que je connais. Et c'est ça l'information. On avance. Madame Eliane, dans lui-même, n'a dit que ça avec Américain. Et Madame Eliane sont Américains. Sont Américains, oui. Ok. Lui fait deal avec Américain. L'on en prison. Il faut rappeler également que Madame Eliane Tunisien. Oui. FBI arrête-elle, Léon Finoua, que. Lien. C'est lui-même yeah. Qui achète des armes aux États-Unis pour voir bail la mort sans jour gang 400 Marozo en Haïti. L'histoire américaine, donc lui, Jodia en prison aux États-Unis d'Amérique. Alors, et lien que lui gagne avec Yon en prison. Avec Yon en prison, très bien. Maintenant, lui font deal avec Américain. Sous base pour libération missionnaire. OK. Maintenant, monsieur 400 Marozo. Donc, comme États-Unis, comme FBI connaît que lui gagne lien avec Yon et 400 Marozo. Et 400 Marozo. Maintenant, puis on fait parler pour qu'il réduit Penny. Pour réduire Penny. Comprenez bien, madame, monsieur. Pareil, je vais être là. Et Manzé, c'est lui-même, c'est Boss Negyo. C'est Boss Negyo.
tout radouay yo ont été sous lio, c'est Elion Tunis qui met un bateau voyer vini pour lui capable mettre pour anniversaire dans prison pénitentiaire national. Voilà. Donc Elion Tunis, c'est boss nagyo. Le boss nagyo. Ouais. Elion Tunis, mais ils font deal avec les agents fédéraux. Très bien. Pour capable réduire peine. Par exemple, États-Unis quoi, États-Unis. Ouais. Depuis où de ouais. Où aller ou demander pour faire deal. Très bien. Ou pas aller faire deal. A où? Là c'est où? Donc comme dossier Manzé a son dossier au niveau, ok, avocat Manzé m'a demandé pour le plaider non coupable. Non coupable, Donc pour Manzé lui plaider coupable, faut qu'il fait deal. Correct. Donc il fait deal ici, matin débat. Et là Tunis fait deal avec agent fédéraux. Maintenant c'est en contrepartie avec libération missionnaire. Bien. Donc, Elon Tunis, qui n'a pris aux États-Unis, ok, qui c'est américaine, qui c'est boss 400 Marozo, maintenant, la justice américaine a coincé là, puis il est capable de réduire la peine, avec seule condition que lui mandait, monsieur, livrer 17 missionnaires, donc 17 missionnaires américains avec quelqu'un canadien. Et de fait, Elon Tunis, accepté pour le négocier comme ça. Ok. Monsieur Katsema Ozo, ça qui fait pour libérer Mounio, okay. C'est Kapé Kapé Mine. Yo Kapé Mine. Mais, monsieur, yo, pour jouer dans l'opinion, ok, pour montrer. Yo la guerre information ça, hein? Les 17 millions de dollars américains, sous base que yo ta recevoir 17 millions de dollars américains. Donc l'information, c'est confirmé. C'est confirmé l'information, très bien. Yo même. Oui. Yo confirmé mais l'information. Mais les 17 millions de dollars, c'est une manipulation. C'est pour manipuler le manipulation. Mais c'est yo même. Comment bien, madame, monsieur? Oui, c'est une double responsabilité. Maintenant, yo même, yo qui est d'accord pour libérer missionnaire. Ça fait oui. Que. Oui, oui, belle. Ça fait nous dire pendant le week-end, missionnaire, t'as libéré. Oui. Mais quand il y a yo même qui s'est passé, pour pas sortir l'aide de l'opinion dans le pays, pour montrer que yo paye américain, ceci, bah, comme ça. Et de fait, thèse que américain pas bon en goût de là, thèse à Kembe. Claire. Parce que l'Amérique, quand il y a vu un code de main, il y a un bout de code de main. Qui c'est madame? C'est Boss Negio. Boss Negio. Bout de code de main. Ok? Et là, bout de code de main, par exemple, qui ça y a encore comme dossier? Qui ça, madame, non? Encore gagne comme dossier sur yo? Mais l'Amérique dit, madame, non? Pour le capable de faire du faut que l'imande Negio libère missionnaire. Maintenant, monsieur, 400 maozo, pour. Yo pas paraître l'aide de l'opinion parce que vous avez un gros gang, bye. Ok? Et puis, yo laquait information, hein, dont source concordante, que nous-mêmes nous faisons confiance. Oui. Tenez bien, madame, monsieur. Son source qui sortit directement dans la base de Katsumaozo. Dont source concordante, que nous-mêmes nous faisons confiance. Parce qu'il y a habitué par nous l'information. Parce qu'il y a habitué par nous l'information. Qui confirme que Américain a effectivement payé Katsumaozo 17 millions de dollars. C'était une manipulation, madame, monsieur. Mais, journée aujourd'hui à là, Mounio, en parlant de missionnaires, yo éparpillé à travers certaines bases. Yo pas un seul côté. Le bon seul côté, oui, que on a osé dit. Voilà. Dit. Donc, où il y a là, yo a fait stratégie pour libérer Mounio. Ok. D'une part, pour réduire peine d'amener qui se bosse. Pour réduire peine. Mais d'autre part, pour éviter une attaque frontale. Ok. Contre les 400 maozo. Contre les 400 maozo. Parce que yo besoin de continuer à exister. Il y a besoin de continuer à exister. De fait, il a accepté négocier et accepté pour réduire la peine d'Amnan et dans Tunis. Correct. Donc, Kouliala, il a décidé pour libérer Mounio en parlant de et missionnaire. Très bien, très bien. Mais il a pourquoi libérer. Il n'y a pas de libérer, très bien. Missionnaire, pourquoi libérer? Parce qu'il y a tout campé mine, non-sens. Il y a fait code, il y a prédit code. Ok? Mais il était prévu. Pas un petit comme quand même. Il était prévu, donc il peut être libéré pendant le week-end. Maintenant, il y a quelques petites résistances. Il y a un petit bagaille quand même. Mes côtés, madame, monsieur, information 17 millions de dollars que l'Américain, monsieur Katsama Ozoa, sorti. Et comme je dis, nous venons à partir de sources concordantes. Nous connaissons qui est en rapport avec monsieur. Et de fait, pas de information que sous sa compte qui pas bon. OK, nous va bien m'engager dans ça. Et en fait, l'information sur les 17 millions de dollars, c'est pas bon non, mais c'est une manipulation de la part de 400 Marozo pour capable
paraît belle dans l'opinion. Dans l'opinion. Ok, mais dossier à son question que, je dis à madame qui a arrêté, qui c'est madame Tunis, il t'a dit qu'il t'a soi-disant ses concubines et l'amour sans jour. Ok, également boss Yon. Eh bien, c'est lui-même qui a joué avec là pour capable réduire peine. Il a demandé pour demander, monsieur, pour libérer missionnaire. De fait, que lui-même l'y fait. Donc, monsieur Katsamaozo, qu'on a ce Kembe, il a pensé jouer pour un second capable de venir au comme quand même, mais. Pas qu'elle pas facile. Bah, là, pas facile, madame. Donc, monsieur Katsamaozo, il s'est fait. Pas là, pas facile. Pendant que vous êtes là, vous avez un mauvais coup, vous nous connaissez. Vous avez envahi tout le monde. C'est ça que fait, justement. Ok? Bah monsieur pendant week-end non en pile monde prend balle n'a pas de bouquet bon pasteur avec trois petites parmi yo un petit petit qui a 7 ans yo tiré sur machine non monsieur film en arraché ti monde non mouri un nan ti monde yo mouri pipiti hein li mouri sous place bon dame même qui non ligne pendant l'ouais opération la essayer virer la sorte l'église pour tourner yo tiré sur lui li prend balle dans dos li mortellement blessé c'est très grave donc monsieur mandarache madame nan bloc rentre squad de bouquet. Monsieur Gon Zorekin, tenez bien, peuple haïtien. Un Zorekin, IT 00823. Mais son machine, elle a été volée. Ok. Un Zorekin. Ok. Vous savez, Léopède dit machine ou bien plaque machine.